Aux Pays-Bas, l'opinion publique vis-à-vis de l'Union européenne a vraiment basculé, c'est vrai, depuis 10 ou 15 ans. Tandis que la Hollande, comme pays fondateur depuis toujours, l'opinion était toujours plutôt favorable aussi. Il y avait beaucoup de soutien pour le marché, c'est une nation plutôt marchande, commerçante. Maintenant que l'Europe est plus politique, il y a déjà quelques réticences. Il y a eu un moment très fort aux Pays-Bas, au même moment qu'en France, au moment du référendum pour le traité constitutionnel, en 2005. C'était un vaste non, comme en France. À l'époque, la Hollande était l'autre pays du non, et pas le fromage cette fois. Et cela traduit des crispations aussi identitaires, en partie liée aussi à l'abandon de la monnaie nationale, le florin, donc des choses comme ça, et aussi dans une problématique plus large de la quête d'identité d'une petite nation en Europe. Mais l'Europe, l'Union européenne joue un rôle assez grand là-dedans.